entrer dans le vif du sujet de la vraie vidéo qui va suivre, je vous fais une petite introduction pour vous remercier du fond du cœur pour les 10 000 abonnés. Et pour cela, j'aimerais vous remercier et vous proposer une vidéo FAQ Snapchat. Donc, vous pouvez me suivre sur Snapchat, je vous mettrai mon nom juste ici. Enfin, en gros, c'est biscuit05, B-E-E-Scuit05. Vous pouvez m'ajouter et m'envoyer vos snaps, que ce soit écrit, photo ou vidéo, et je les ouvrirai en direct dans ma prochaine vidéo. Voilà, comme ça vous savez, et je vous laisse maintenant avec la vraie vidéo. J'oubliais, vous avez donc jusque mercredi de la semaine qui arrive pour pouvoir poster vos snaps. Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous emmène avec moi aujourd'hui dans un meeting Lolita. Nous allons à Liège, il fait dégueulasse, bienvenue en Belgique. Je vais vous filmer un petit peu la pluie, la merveilleuse vue depuis la fenêtre, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes en voiture avec Maureen qui conduit et Alison passe dans le coup. Et Alison derrière, voilà voilà. Nous sommes arrivés à Liège, nous faisons bande à part parce que nous sommes trop pauvres pour aller au restaurant, du coup nous allons au McDo. Ah, nous avions une place juste devant le McDo et Maureen l'a trouvé qui c'était un garage. Elle a paniqué. Elle a paniqué, nous sommes partis et maintenant quelqu'un d'autre a pris la place, donc nous n'avons plus de place. Zut. Voilà. D'abord, c'est moi qui conduis. Oui, c'est toi qui conduis. Il faut trouver une place. Ça c'est une place ou c'est... Non, c'est pas une place. Si. 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 Il y a un panneau interdit de stationner. Où ça? Je peux. Ouais, derrière, mais pas ici. Bien sûr. Mais oui. Ils ont oublié le double cheese de Maureen. Maureen n'est pas contente. Maureen se rebelle. Vive la bouffe. Je balance mon manteau par terre. Pas content. Voilà le menu de base. De cheese, nuggets, tout ça, tout ça. Bon appétit, jeune fille. Pour plus d'obésité. Maureen n'a pas eu son double cheese toujours. C'est important de le préciser, n'est-ce pas? C'est 20 minutes que j'attends. Proteste. Allez. Je ne sais pas où on va. Tiens mon bras. Après. Oui, je tiens ton bras. C'est peut-être mieux. Il pleut, bergère. Entre tes blancs moutons. C'est quoi après? Et va dans ta chaumière. Va dans ta chaumière. Ah, attends, elle connaît, elle connaît. Ali connaît. Je connais plus, je connais plus. En Belgique, le dimanche, tout est fermé, sans exception, il n'y a rien à faire. Et les choses ferment, visiblement. Ça a l'air chouette. Sinon, l'endroit est encore chouette, parce que la lumière est belle, on va pouvoir faire des photos qui ressemblent à quelque chose, pour une fois. On est princesse, et on fait des paillettes. Si tu veux. Moi, j'en ai bouffé des paillettes, parce que j'en avais mis dans mon rouge à lèvres à la base. Pour le retirer au McDo, j'ai juste trop galéré ma vie. Je vois une population rose et bouffante, là. Nous arrivons à destination. Belle gosse, ici. Coucou. Bonjour. Ça va? Attends, mais que je suis sérieuse un peu. Non. Ça s'appelle la photographie. C'est ça. Intrusion. Non. It's amazing push. Mais moi aussi j'ai des poches. C'est baby. Pour mettre les cigarettes. Vous avez montré dans une vidéo, donc je vous ferai quelques petits plans pour vous montrer un petit peu de ma vie et j'espère que ça vous plaira.
lesquels? Ça tout ça c'est moi. Regardez-moi ce winner du grand poisson mort. Même à mettre au passage. Salut. Nous allons à la crêperie les gars. On va à la crêperie, c'est bien ça? Oui, on va à la crêperie. On va à la... Ouh, ouh cramé, ouh, ouh clair, ouh clair. Déplacement rapide pour filmer les gens. Joli à part ici. Mignon. Je suis la dernière, je traîne parce que je filme tout le monde. Et donc voilà. En vrai on va à la crêperie mais j'aime pas les crêpes. Vanille, chocolat, banane. Il fait vachement sombre ici. On ferait ses cadeaux. On a fini de manger. J'avoue. Tout le parapluie géant de Morel. Donc là, on a fini de manger à la crêperie. En gros, moi, j'ai pas mangé parce que voilà, les crêpes, je n'aime pas ça. Voilà, du coup je pense que le meeting va se terminer, on va toutes rentrer à nos voitures, au train, tout ça. Et Maureen et moi on va repasser en mode baraki. Si vous savez pas ce que ça veut dire baraki, je vous invite à le découvrir par vous-même parce que Google est votre ami. Et voilà. Mini. La dame va parler à toi. Ah, ou pas. Elle parle ou elle parle pas ta dame? Bah écoute, elle dit rien. La dame dit rien. Il y a le chauffage là où tu mets tes affaires. Sérieux? Coucou. Je peux? Demi-tour dès que possible. Voilà. Tout droit, tenez la droite. Ok, on tient la droite les gars. Bon ben voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. Ici on est en voiture et on va retourner vers chez moi. Donc vous aurez un petit aperçu de ce que c'est être habillé en baraki, c'est-à-dire en trellet. Tu vois, genre les premiers trucs que t'as vu, tu les as pris, t'as fait ouais, ça c'est bien. Voilà. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Au revoir toi. Toi aussi. Vas-y, allez, dans le trou.